Bonjour à vous, Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Réparation aujourd'hui, remplacement d'un port de chargement micro USB. Je viens de le recevoir. Ça fait que je vais faire ça parce que ma cliente, elle vient de Sherbrooke, celle-là. Je vais l'envoyer par la poste. Ça fait que je vais y remplacer ça. Après ça, j'y retourne ça à Sherbrooke. Donc, on va regarder comment remplacer ça. J'ai décollé l'appareil, il était collé à l'intérieur de ça. À la fin, je vais y remettre un collant qui colle ses deux bords. Ça va être plus simple pour enlever. Même un velcro, je pense. Ouais, j'ai un velcro. Je vais y mettre un velcro. Ça fait que je remplace ça, puis on vérifie que tout fonctionne. Et voilà. On enlève ça de là. On enlève la batterie. La batterie retirée. Maintenant, il faut enlever toutes les vis. On est ici. On va les rejoindre le port en arrière qui est ici. Et voilà, une autre partie, on y arrive. Et voilà, on est rendu. Moi, il faut que je remplace ça ici. C'est exactement la bonne chose. Ah, lui, il rentre bien. C'est comme s'il aurait été écrasé. Non, il rentre. Fait que, on va démonter ça. Fait que le vieux est enlevé. Maintenant, on nettoie tout ça. Bon, ben, tout est nettoyé. On va maintenant, je vais enlever ça. Réinstaller de nouveau. Et il rentre parfaitement à sa place. Je vérifie tout le temps avant. Après ça, on va y mettre la pâte à souder. Puis on va souder tout ça là. On va faire un petit nettoyage avant. Avec... nettoyeur Contact 2000 de la Salco. Vraiment excellent. Moi, j'en mets un petit peu. Vous pouvez y aller aussi avec une brosse, mais très douce. Faites attention. Moi, j'achète des brosses à dents, mais douce, 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 douce. Puis j'y vais lentement. Puis on laisse sécher ça bien comme il faut. Bon, mais on rajoute un petit peu de pâte à souder.
On ressort ça en place. On s'assure que tout est parfait. On remonte ça en place. Bon, mais avant de tout remonter, je vais le vérifier. Petite lumière flash. Donc, il charge. J'ai mon petit vérification, ma vérification pour le chargement. 0.37 ampères et 4.5 volts. Donc, il charge numéro 1. Donc, ma cliente va être bien contente. Je remonte tout ça. Et voilà, il est remonté. En ce moment, la batterie est vraiment déchargée. Là. Il est à 0%. Là. D'après moi, là, ça faisait un bout. On va le laisser recharger un bout de temps. On va regarder ce que ça donne. On va le nettoyer comme il faut, puis je vais y mettre aussi un velcro à l'arrière. Sur un LG G4 comme celui-là, la réparation, c'est 35$. Tout compris, plus les taxes. Fait que, je pense que ma cliente va être bien contente. Ça n'a pas été trop long. Elle va l'envoyer par la poste de Sherbrooke. J'y réparé, j'y retourne par la poste. Fini. Merci. Bonne fin de journée.